Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour à tous mes abonnés. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un tout nouveau appareil que je viens de recevoir. Donc la marque, c'est Bicel, je pense. Voilà, c'est un extracteur injecteur. Ça faisait un petit moment déjà que j'en voulais un. Mais en fait, il y en a beaucoup qui font aspirateur en même temps. Et je trouvais pas trop utile d'avoir l'aspirateur du fait que j'en ai déjà un dans le garage. Alors que celui-là, il est vraiment que extracteur-injecteur. Donc je viens juste de le recevoir à l'instant. Là, il vient de me le livrer il y a 5 minutes. Donc bah, j'ai sauté sur la caméra pour vous faire un petit vlog. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec toi. Donc alors voilà. Donc là on a le bouquin. Donc il est livré avec le produit. Ça fait un petit moment que je l'avais commandé. Je l'avais commandé sur Amazon le 9 septembre. Et je viens juste de le recevoir aujourd'hui. Donc le délai de livraison était un peu long, mais bon, j'étais pas vraiment pressé. Il était en promo. Bon, par contre, je vais te poser parce que avec une seule main, c'est pas facile. Voilà, je te l'ai déballé. Je sais pas du tout comment que ça fonctionne. Il faut que je lise un peu la notice. Bon, les capacités m'ont pas l'air d'être énormes au niveau. Contenance, mais bon, après je pense qu'il y avait un modèle pro qui faisait certainement plus en capacité. Le fil est vraiment pas mal, il a l'air d'avoir pas mal de longueur de fil, c'est bien ça. Ça évite de mettre une rallonge à chaque fois. La brosse. Bah écoute, je monte tout ça et je te reprends après pour voir un peu. Bon là, ça y est, j'ai tout monté. Il m'a l'air vraiment de très très bonne facture. Voilà, tu vois, regarde. Le petit truc pour accrocher, là, c'est nickel. Pour enrouler le câble. Non, franchement, il m'a l'air vraiment de très bonne qualité. Donc là, tu peux voir, tu mets la quantité d'eau, la quantité de produit. De ce côté-là, tu récupères l'eau sale. Les plastiques ont l'air vraiment de très très bonne qualité, l'assemblage aussi. Donc bah écoute, après à voir. Sur les tapis de la 208, parce que là c'est vrai qu'il fait un peu tard, je vais pas mettre en route à faire ça. Donc là j'ai les 4 tapis, la 208, qui vont servir de test. Évidemment je vais les aspirer, bon je te passerai cet épisode. Bon, c'est des tapis de qui servent tous les jours, la voiture sert tous les jours. Donc voilà, je vais aspirer et on essaye après la machine. Donc tu vois, c'est pas obligatoire, mais je vais faire une première passe avec ce produit-là.
Frabert, c'est fait exprès pour nettoyer les tissus. Et je vais l'activer avec une brosse pour enlever le plus gros diade à saleté. Peut-être que l'appareil l'aura fait par lui-même, mais bon, ça va aider un peu. J'ai mis 50 millilitres pour 1 litre. Voilà, là j'ai mis le produit, 1 litre à peu près je pense, avec le produit qui est fourni dans l'appareil. Donc allez, on va attaquer. Il est un peu bruyant, hein. Chaud dans l'eau. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais faire une deuxième passe. Il m'a l'air de bien faire le travail. On voit que le 208, le blanc est bien sorti. Ouais, c'est pas mal, hein, ça fait bien son job. Voilà, bon bah écoute, je fais les trois autres et je te reprends après. Allez, on se fait le dernier ensemble. Donc là, je l'ai déjà pulvérisé avec le produit et frotté, donc là, on va l'aspirer. Yeah.
Donc il faut les laisser sécher un peu, mais sinon le résultat est vraiment pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'ai utilisé ça en eau et voilà le résultat du tapis. Que c'était à faire. Donc voilà les amis, je suis quand même content d'avoir le résultat. Seul petit bémol peut-être, c'est le bruit, mais bon, ça c'est normal puisque c'est quand même un injecteur extracteur. Donc voilà, moi je suis content. À voir après sur les sièges de voiture, mais déjà pour les tapis c'est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions n'hésitez pas, vous pouvez en mettre dans le descriptif et puis je vous répondrai à toutes les questions. Bébé, tu vas où là? Attends, j'ai pas fini, reviens. Regarde, j'ai un bel avocat. Non, bon allez, on arrête les conneries, je voulais te faire voir le résultat final. Je viens de mettre une protection. Voilà, regarde ça. Par contre, fais-le à l'extérieur, ça sent vraiment très très fort. Ouais, tu peux voir là. Les tapis sont comme neufs. Allez, vas-y, tu peux annoncer la fin. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine.